Antonia Dossa, bonjour. Bonjour à vous Théodule Roussa, bonjour et bonjour à tous et à toutes. Très bien. La parole métaphysique du jour. Mère Raimi Amoussa, bonjour à vous. Vous êtes encore avec nous ce matin pour parler d'une nouvelle parole métaphysique. Merci à toi. Bonjour à toi. Bonjour mon frère Théodule. Et bonjour à toutes les autorités de ETV. Kamambla Koutako, Kamambla Koutako, voilà, c'est la parole d'Aoméenne de ce jour. Et Mère Raimi Amoussa, vous êtes là ce matin pour décortiquer, donner des explications, les enseignements à retenir à travers cette parole d'Aoméenne. Voilà, Kamambla Koutako, quelle explication et quelle traduction on peut déjà retenir à travers cette parole d'Aoméenne? Merci ma soeur, permettez que nous rendons toujours hommage au monde de nos ancêtres, à tous nos aînés, dans toutes les dimensions de la vie. Kamambla Koutako. Quand la corde. Bla, attaché. Mambla, n'attache pas. La négation. La négation. Hou, la mer. Kouta, au bord de la mer. Koutako, corps, le sable. Donc, Koutako, le sable marin. Merci, mon frère Théodule, le sable marin. Donc, Koutako, la précision, c'est pas seulement le sable, c'est le sable marin. Maintenant. Mais de quoi parle le Dahomey en parlant de Kamambla Koutako? D'abord, remarquez l'infinitude du sable marin au bord de la mer. Et la vastitude aussi de la mer, comme la vastitude du ciel. Toi, le profane, je précise parce que la parole parle des profanes, de ceux qui ne connaissent pas les lois de la vie. Tu prends la corde et tu vas au bord de la mer et peut-être tu fais un tas de sable et tu veux l'attacher. Ça nous rappelle, cette parole nous dit que nous aussi nous avons notre Sisyphe d'Aoméen. Le Sisyphe de la mythologie grecque. Nous avons notre Sisyphe et c'est ça qui est traduit à travers Kamambla Koutako, c'est-à-dire toi seul, tu envoies la boule de pierre là jusqu'au sommet de la montagne et la boule revient et tu descends encore, tu reprends la même chose. C'est pour vous dire quoi? Cette parole est une parole d'incantation. D'abord, de l'enfant de l'initié. De l'enfant de l'initié, c'est-à-dire pour dire à ceux qui cherchent à l'attaquer, de ceux qui cherchent à lui faire du mal, qu'ils ne peuvent rien. Qu'ils ne peuvent rien. On y foudoukan omon. Omomi, c'est-à-dire. Man foudoukan omomi, c'est-à-dire. On ne regarde pas mon enfant avec les yeux mauvais. L'enfant de l'initié dit à ses ennemis que vous ne pouvez pas m'attacher. C'est d'abord une parole d'incantation pour dire vous ne pouvez rien contre moi. C'est-à-dire qu'il est insaisissable. Que je suis comme le vent, comme l'air. Que ceux qui me protègent, surtout que je n'ai rien faire contre vous dans ma conscience, parce que c'est la précision. Cette parole, pour que ça soit opératoire, c'est que vous, votre conscience aussi, doit être tranquille. Mais il y a ce que nous appelons les malveillants au quotidien, c'est-à-dire vous ne leur faites rien. C'est votre réussite qui les dérange. Et ils sont là tout le temps dans la nuit à faire des piquets, à chercher à vous détruire. Ceux-là, l'enfant de l'initié, l'enfant venant et appartenant à un ordre, parce que souvent c'est les enfants ou les personnes qui appartiennent à des ordres sacrés d'Aoméen qui utilisent ces paroles-là. Et quand il dit ces paroles, il faut mieux fuir. Ça veut dire qu'il veut faire autre chose. C'est une parole qui annonce que je peux te détruire. Si tu continues, tu verras ce que c'est que ce que je suis et ceux qui sont derrière moi. Mère Raimi Amoussa, le d'Aoméen, pourquoi il s'est intéressé au sable marin? Pourquoi pas d'autres sables? Ah non, vous savez, le sable marin est le symbole d'abord de l'infinitude pour dire que... Comme vous l'avez dit au début. Pour dire que mes aïeux, chaque grain de sable représente mes aïeux. Représente la filiation métaphysique de laquelle je viens. Vous voyez, la filiation du fa. Il y a la filiation Revioso. Il y a la filiation Ogu. Il y a la filiation Sakwata. Il y a la filiation Minona. Je ne sais pas si vous êtes dans le tronc. Il y a le grand maître du tronc. Depuis l'Antiquité, depuis l'Arabie Saoudite, pour vous dire que vous ne pouvez pas, si je fais appel à mon égrégore, vous ne pouvez rien. Mon égrégore est plus puissant que vous. On n'attache pas.
le savent, pour dire que je ne t'ai rien fait. Laisse-moi tranquille. Sinon, je vais appeler les sables de mes ancêtres. Je ne sais pas. Parce que, n'oubliez pas, hein, l'enfant de l'initié peut faire comme ça, simplement, et des gens viennent et l'encadrent en même temps. À son secours, en fait. Merci. C'est des paroles et des sons d'appel et d'avertissement en même temps. Pour dire, ce n'est pas partout qu'on fait le malin. Et ce n'est pas partout qu'on s'amuse à insulter les gens. Comme on voit aujourd'hui dans les feux, on insulte tout le monde. Il y a des gens, vous voyez, qui va gifler moi, mon président Talon? Tu vas oser gifler moi, mon président Talon? Non, permettez qu'on dise ces choses. On ne gifle pas le Dahoméen. C'est une manière de dire que celui qui va gifler le Dahoméen, là, il va savoir que autre chose n'existe, ça n'a pas les lois. D'ailleurs, il a interdit de gifler. Il a interdit de gifler. Non, ils n'ont qu'à oser venir gifler le président béninois. Nous n'irons pas sur ce terrain. Rémi Amoussa, y a-t-il des lois plutôt en jeu autour de cette parole? Mais c'est une des lois que je suis en train de vous dire. On ne gifle pas un président dahoméen. On ne gifle pas un roi dahoméen. Tu es qui? On ne gifle même pas un dahoméen. Tu dois gifler un vrai dahoméen. Tu es qui? Ta main verra ce que la main peut connaître. En ces cas, tu sauras que le feu existe. Très bien, tu verras ce que c'est que la punition de Sakwata. Celui qui gifle un initié dahoméen, la première maladie qui va l'attaquer, c'est les troubles de Sakwata, c'est-à-dire les maladies de la peau. Kamambla Koutako, voilà, nous avons la chance quand on parle des artistes béninois. Oui, le groupe Gangwe Brass Band qui a chanté merveilleusement. Merveilleusement, c'est un clip. Ils ont fait un clip qui parle même de cette parole dahoméenne. Et quand vous allez sur, je suis sûr que plus de vous savez très bien de quoi je parle peut-être déjà. Oui, c'est à croire, Antonia, que cette parole dahoméenne, le groupe Gangwe Brass Band s'est inspiré donc de cette parole métaphysique dahoméenne pour chanter. Ça reflète d'ailleurs, et relate exactement tout ce que nous vivons au Bénin, ce que vous venez de développer tout à l'heure, M. Amoussa Rémi. Vous nous invitez à suivre ça? Oui, je vous invite et j'invite les téléspectateurs à suivre ce clip. Adano kome ye doloyon meme to adodo le poje Adama gore ye nasoyon meme to ya Bere bere Adama gore ye nasoyon meme to ya O la la cheun Adano kome to ayo re mewe po ye doloyon meme to adodo le Bia 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 ah ah bia 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 Fiena ye na bondo bi onya wa me inewe vive era ye no to didi agbedo wa eto boto na ramyo enewe ye le pombo onjo edo onye onjo edo we so he bena wa Poto bi breda de le wa ye ro e mando le blanu ye mando a uvena O hagbe ina kan dade le o yen dododo Ye mando le blanu ye mando a uvena wa eto ye si ma yi wa dagbede Fi ena ye na gbondo bi ojra wa me inewe vive ena ye no to didi Agbedo wa eto ngodo mi arambio enewe ye le pombo onjo edo Onye onjo edo we so he vena wa Fate mo e si wa hu to le emye Pa ido mi lo Paido miro Quenu eto divise pure si wa hubo mi bena e Be a pote to mea Me si si we no heyona wa Quenu eto me ma si wa hubo mi bena e Be a pote to mea
Mika to kwe dale dope, kwe de te dawe mika te a. Mi fombo to kwe dale do, kwe de te dawe mika te a. Ama kou koye, li le ton lekpo fwe na yi. Kou koye, kou koumi, li le ton le tata we, kambala kouta kok pocha. Kou koye, li le ton lekpo fwe na yi. Kambala kouta kok pocha. Kou koye, kou koumi, li le ton le tata we, kambala kouta kok pocha. Kou koye, li le ton lekpo fwe na yi. Kambala kouta kok pocha. Kou koye, kou koumi, li le ton le tata we, kambala kouta kok pocha. Kou koye, li le ton lekpo fwe na yi. Kano bala kuta koko ja. Kumkoye kumkumi lile eton le tata we. Kambala kuta koko we. Kumkoye lile eton le kofwe na yi. Kano bala kuta koko ja. Kumkoye kumkumi lile eton le tata we. Kambala kuta ko. Hayi 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 hayi. Kolo 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 kolo. Merci donc groupe Gangwe Brass Band. Toute une philosophie et Antonia Dassa. Oui, toute une philosophie et plusieurs aspects sont abordés à travers ce clip que j'aime très bien et ça donne très envie de danser. Nous avons très bien tous Mel Rahim Yamoussa, vous venez de suivre ce clip. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est d'abord que nous rendons hommage au groupe. C'est, nous sommes fiers d'eux et ils illustrent bien ce que c'était le Dahomien et ce que nous devons être. Et surtout ce que nous ne devons pas faire. Mais si vous êtes rien, vous ne restez peut-être pas vos supérieurs hiérarchiques et vous voulez avoir quoi? Même si vous donnez, vous donnez avec malédiction. Parce que quand le cœur vous donne avec insatisfaction, il vous donne une malédiction. Il vaut mieux qu'on vous donne avec joie. Très bien. Deuxièmement, venant, c'est-à-dire en. Excusez-moi, la haine. Nous devons savoir, chacun de nous doit savoir que l'ennemi, il y aura toujours d'ennemis. Même celui qui a un franc a d'ennemi. Celui qui veut lui voler a un franc. C'est pour vous dire que nous devons veiller permanemment. Et surtout la trahison aussi à travers. Oh, la trahison est au quotidien aujourd'hui parce que on veut avoir ce tout aujourd'hui. On veut avoir l'argent par tous les moyens. On veut avoir la femme de son ami. On veut avoir... Ça, et on ne respecte plus rien. Et on oublie une chose. Le karma existe. Les ancêtres nous voient. C'est surtout... La chanson nous dit que les ancêtres nous voient. Très bien. Merci. Merci beaucoup à vous, Mel Rahim Yamoussa. Kamambla Kutako, cette parole métaphysique d'aujourd'hui, très intéressante, qui nous a bien décortiqué, et nous amène à respecter la nature, à ne pas envier l'autre, à ne pas trahir surtout, même si, comme vous le dites, même si on a un franc, quelqu'un a un franc, il aura toujours des ennemis, mais avoir très peu d'ennemis serait mieux. Merci et certainement à vendredi prochain pour une nouvelle parole dahoméenne. Merci à Moussa Rémi, Antonia Dossa, merci et nous allons écouter une fois encore cette très belle mélodie, ce très beau clip bien mimé du groupe Gangwe Brass Band, le temps d'installer le plateau de la causerie matinale. Atano kome ye doronyo meme to adodo le po oje. Adama kore ye na soyo meme to ya. Gbere gbere. Adama kore ye na soyo meme to ya. O la la cheun. Adano kome to ayo e mewe po. Ye doronyo meme to adodo le. Ape! Ye mando le blanu ye mando a ouvena. Ou hakbe nyakan tade le wa ye ndo dodo. Ye mando le blanu ye mando a ouvena. Wa eto ye si ma hi wa da gwede. Fi ye na ye na bondo bi yo nyawa me. Ine we vive e la ye no to didi. Agbe do wa eto mbo to nga ramyo. Ene we ye le pombo onjo edo. Onye onjo edo we so he vena wa.
Ponto qui prête à des liens, rien d'eau. Et mando les blanous, et mando à ouvena. Ou habe, il n'a qu'un tas de liens, rien d'eau. Et mando les blanous, et mando à ouvena.